peine à rien, mais dans l'émission Les Membres Tirés, honorable assistant, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres tirés, monsieur l'écrivain et docteur Aguilera pour leur présence, pour évaluer notre travail. Je remercie également notre cadre, monsieur Anthony Jamal. Je me permets à remercier tous ceux qui m'ont amené de préalablement pour réagir sur notre travail. J'ai l'honneur de présenter devant vous notre film en fin de vie intitulé Le manipulateur transféristique lié à l'utilisation des produits de contraste DOD, afin de tenir le diplôme professionnel de manipulateur en image médicale de santé publique, présenté par moi-même à Yadadé et mon binôme à Donald Rolf. Il est réalisé au niveau du centre de la biologie centrale de Cherchy Batna, encadré par Lucien Zien Jamel, professeur d'enseignement paramédical. Tout d'abord, tout de suite, nous passons pour notre travail. Nous allons commencer par l'introduction, l'objectif de la recherche, ensuite la problématique et les hypothèses, après méthodologie de la recherche, on a analysé l'interprétation des résultats, après vérification des hypothèses, on a conclusion et finalement quelques suggestions. Introduction. Certainement, le développement de la radiologie diagnostique a permis de pratiquer des examens de plus en plus précis aujourd'hui venus de nouvelles technologies décorativiennes qui se définit comme une chaîne chromatographique, effectuant la mesure de l'atténuation d'un tissu de lien X à la traversée d'un volume anatomique avec des constructions matricielles. Dans la majorité des cas, le but du scanner à lien X est d'augmenter l'opacification des tissus, le corps humain, afin de distinguer les différentes structures. Ce dernier nécessite une injection intraveineuse de produits de contraste IOD. L'administration d'un produit de contraste IOD par voie intraveineuse ou en effissant et plusieurs autres structures plus apparentes pour avoir une visualité très efficace. Cependant, ce risque, ce produit de contraste IOD peut provoquer des réactions et des néphropathies chez certains patients. Ce qui rend l'investigation de ce risque un travail indispensable. Pour mieux cerner le problème sur le risque des produits de contraste IOD dans le service d'imagerie médicale exactement d'une unité de scanner, et pour prendre en charge les mesures préventives de ce dernier, nous avons opté la méthode décrite ci-dessus. On a une partie théorique qui comporte trois chapitres. Le premier chapitre parle sur la tomodocytométrie, le principe de fonctionnement et les avantages et les inconvénients. Le deuxième chapitre parle sur les produits de contraste IOD et le troisième chapitre parle sur la prise en charge psychologique et radiologique du patient au niveau de l'unité de scanner. On a une partie pratique qui comporte méthodologie de recherche, résultats et analyse d'interprétation et à la fin une conclusion avec des suggestions. Maintenant je passe la parole à mon binôme Adel Abderrauf. Merci. Bonjour les membres de l'équipe, bonjour à tous. Alors, objectif de recherche, s'il vous plaît. Nous avons élaboré ce thème pour améliorer la prise en charge des patients au niveau du service central d'imagerie médicale du CHI de Berlin et pour mettre en évidence la place de la bonne préparation des patients par un interrogatoire à la recherche des symptomatologies allergiques et à l'injection de produits de contraste IOD pour la réussite de développement de l'examen et pour progresser et améliorer les connaissances des manipulateurs sur les mesures préventives lorsque nous sommes en face de différents risques liés à l'utilisation des produits de contraste IOD. Alors, la problématique. Lors de l'examen scanographique, l'utilisation des produits de contraste IOD permet la visualisation d'un tissu par rapport aux organes avoisinants qui le rendent visible sous la forme d'un contraste blanc. Donc, il renforce le contraste au niveau des viscères blancs. Et la cinétique de la prise de contraste, mais parfois il m'a toléré par le patient. Il cause des effets indésirables pour eux. Donc, pour cerner notre problème, nous avons opté de poser la question suivante. Quels sont les éléments responsables de l'apparition des risques liés à l'utilisation du contraste IOD? Alors, les hypothèses. La première hypothèse, c'est l'insuffisance de l'interrogatoire de la recherche de symptomatologie et d'antécédents d'allergie a influé négativement sur la prise en charge des patients lors des examens tomodocytométriques. La deuxième hypothèse, c'est la qualité et les caractéristiques spécifiques de produits de contraste et ont été utilisés sont les causes essentielles des effets indésirables rencontrés par le patient. Alors, la phase méthodologique. Notre enquête est réalisée au niveau du service de la radiologie centrale du CHU de Batman, d'une période allant du mois de février 2018 jusqu'à la fin du mois d'avril. Le choix de la population de notre enquête est porté sur un médecin radiologue et d'un manipulateur en imagerie médicale de santé publique. Pour réaliser notre enquête, nous avons suivi une méthode descriptive analytique qui contient des instruments de recherche, un questionnaire qui sont des champs multiples, fermés et ouverts, qui comporte 14 questions adressées à l'ensemble des manipulateurs afin de confirmer ou bien nier la première hypothèse. Un entretien avec le médecin radiologue
dans le but d'obtenir des informations et des réponses qui permettent une analyse et un traitement de la question de recherche décrite dans la problématique. Donc, la méthode des quantitatifs suppose l'utilisation de l'entretien pour confirmer ou bien nier la deuxième hypothèse. Certains éléments de recherche contiennent quelques questions orales principales concernant essentiellement les produits de contraste IOD et leur utilisation au niveau du scanner. Alors, l'analyse et l'interprétation des résultats. On a choisi deux outils. Le premier outil, c'est le questionnaire qui est destiné au manipulateur de radiologie centrale. Et un deuxième outil, c'est l'entretien, qui est destiné au médecin radiologue du service de CHU. On va commencer avec la question numéro 1. Avez-vous des connaissances et des informations sur les probes de contraste ionique en ce qui concerne? On a les compositions des probes de contraste, les caractéristiques physiochimiques des probes de contraste et les effets indésirables des probes de contraste. On observe, d'après les résultats, on observe que la majorité des manipulateurs, 95% des manipulateurs, on a des connaissances et des informations concernant les effets indésirables des probes de contraste. Seulement que 5%, on a des informations et c'est des caractéristiques physiochimiques des probes de contraste. Et 20%, c'est des compositions des probes de contraste iodées. Alors, l'analyse et l'interprétation. D'après notre déploiement des différentes réponses, on peut dire que la majorité des manipulateurs ont mis des insuffisances en connaissance et aussi en information concernant la composition et les caractéristiques physiochimiques des probes de contraste iodées. Question numéro 9. Allez-vous contribuer au votre parc professionnel des accidents en disant que vous avez des produits de contraste iodés? D'après le graphe, on a 90% des manipulateurs, 18. On a rencontré dans notre parc professionnel des accidents liés à l'utilisation des produits de contraste iodés. Par contre, 20% on a dit non. Analyse et interprétation, on a constaté que la majorité des manipulateurs affirment que durant leur parcours, ils ont rencontré des incidents provoqués par l'injection des produits de contraste iodés, dont ils sont de type allergique et psychique, et autres comme l'instant de la dilatation de la veine sanguine. Bon, la question numéro 10. Expliquez-vous le déroulement de l'examen de ces patients? On observe que la moitié n'expliquait pas le déroulement de l'examen, alors que l'autre moitié expliquait le déroulement de l'examen au patient. Analyse et interprétation. L'explication du déroulement est une étape initiale dans la réussite de l'examen. D'après les résultats ci-dessus, nous constatons qu'il y a un manque de préparation psychologique des patients par la moitié des manipulateurs, ce qui augmente la probabilité de stress chez le patient qui peut être confronté à un choc fragile. Question numéro 13. Possédez-vous un interrogatoire du patient sur le vacant? Possédez-vous un interrogatoire du patient avant l'examen? D'après les réponses, 35% des manipulateurs déclarent qu'ils n'ont jamais procédé à un interrogatoire avant l'examen. Par contre, 65% des manipulateurs, 65% des manipulateurs disent parfois, mais aucun manipulateur ne répond pas toujours. Analyse et interprétation de l'interrogatoire des patients est une étape essentielle pour la préparation physique et psychologique du malade traité et aussi parmi un bon déroulement de l'examen. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a une négligence par certains manipulateurs concernant cet aspect de problème malgré leur connaissance théorique et de l'intérêt majeur que présente l'interrogatoire. Alors, on finit notre question là qui est destinée aux manipulateurs, la question 14. Interrogez-vous le patient sur les antécédents allergiques aux produits de contraste iodés? La moitié, elle dit non, parfois 35% et oui, 15%. Alors, analyse et l'interprétation. L'allergie est le risque le plus fréquent lors de l'utilisation des produits de contraste iodés. Les personnes qui ont des antécédents allergiques sont les premiers patients les plus exposés à ce risque. D'après les résultats, on peut dire qu'il y a des manipulateurs qui ne prennent pas en compte l'importance de la recherche d'indicateurs qui nous prouvent que le patient est à risque d'allergie. Alors, l'entretien destiné au médecin radiologue. On a établi un entretien avec le médecin radiologue du service d'imagerie médicale centrale de CHU de Bagdad, car si la personne la mieux va suivre le service concernant les produits de contraste iodés. Question numéro 2. Quels sont les produits de contraste que vous voulez utiliser dans votre service? Réponse. Produits de contraste ionique de type télébrix qui s'applique à la majorité des examens. Produits de contraste ionique et non ionique de type ultrabrix dans certains cas particuliers. On a dit pourquoi? Réponse à cause de l'indispensabilité des produits de contraste non ionique au niveau de la pharmacie de l'établissement. Alors, la
question numéro 3. Avez-vous assisté à des réactions liées aux produits qu'on transporte des examens commandants scolaires? Le médecin radiologue, elle dit oui. Et le bonnet, croit-il de ces examens? Le médecin radiologue, elle dit le tidium cérébral, aussi mangé le scanner thoracique, et la tidium abdominaux pelvien. Bonnet, le nom de produit de contraste que vous utilisez dans ce cas, c'est le tilibrix et l'exabrix aussi. Quelles sont les caractéristiques physiochimiques de ces produits? Le produit de contraste de type tilibrix, c'est un produit de contraste ionique de haute osmolarité, plus visqueux, atteint un ion, c'est trois molécules de l'ion. Le produit de contraste de type exabrix, c'est ionique aussi, de basse osmolarité, mais plus visqueux, atteint un ion, c'est 6 molécules de l'ion. Est-ce que ces caractéristiques physiochimiques sont l'un des facteurs importants de l'apparition de l'hésite indésirable? Le médecin radiologue, elle dit oui. Réponse. Les signes, quels sont, alors, la question. Quels sont les signes cliniques de chaque cas? La réponse. Le médecin radiologue, elle dit qu'il y a 4 niveaux, 4 grades. Alors, les signes kétanomiqueuses, on a l'érythème étendu, on a l'ectisère, on a la rougeur, la sensation de chaleur. On a une atteinte de mycose viscérale mandérique, tout, des spleens, des vomissements sont des signes. Atteinte mono-mycose viscérale grave, double de rythme cardiaque, une hypotension artérielle, insuffisance de respiratoire, sont de 3e grade. Et on a un 4e grade, c'est l'arrêt cardiaque. Quel est le conduit à tenir devant ces réactions? La réponse. Selon le grade de la réaction allergique à l'ordre d'une simple surveillance directement après la fin d'examen, oxygénothérapie. La réaction complexe en demande d'utilisation en urgence de certains médicaments anti-choc et anti-allergiques. On utilise les corticoïdes, aussi l'adrénaline. Après, on demande la sollicitation du médecin réanimateur pour une meilleure prise en charge. Alors, l'analyse et l'interprétation des résultats. Analyse et interprétation des résultats. On peut constater que la logique du choix de la pharmacie du CHU par rapport à les produits de contraste effectués selon le gré et ne prend pas en considération les effets indésirables et secondaires de ces agents de contraste. L'absence et l'indispensabilité du contraste ionique au niveau du service pousse le médecin à utiliser les autres produits de contraste ionique pour le diagnostic, malgré leurs effets indésirables qui sont rencontrés chez les patients pendant et après l'examen. Ces produits ont une osmolarité importante et une viscosité plus élevée par rapport à celle du plasma de choléma, donc ces caractéristiques favorisent la libération de l'histamine. Et lorsque ce dernier est fixé sur les récepteurs vasculaires, son effet est la vasodilatation qui est distinguée par la douleur, la rougeur et l'œdème. Outre, lorsque l'histamine est fixée sur les récepteurs bronchiques, son effet est la bronchoconstriction qui est distinguée par la bronchospasme et la boue. L'analyse globale. Il y a un manque d'informations chez les manipulateurs concernant les produits de contraste iodide, surtout dans le côté des informations sur les compositions et les caractéristiques physico-chimiques. Il y a un manque de connaissances concernant la préparation pour l'examen sonographique. Il n'y a aucun accès à l'interrogatoire malgré les connaissances théoriques de l'intérêt majeur qui présente l'interrogatoire dans le choix du type et la dose de produits de contraste qu'il faut utiliser. Le médecin a dû reconfirmer l'existence des risques des produits de contraste dans le service. Les produits de contraste iodés les plus utilisés, TBX, XABX, ont une osmolarité plus élevée à celle de plasma de choléma. Alors, la vérification de nos hypothèses. Première hypothèse, à l'issue de l'analyse de données récoltées à travers le questionnaire destiné aux manipulateurs du service de radiologie centrale du CHU de Vêtement, il ressort de cette analyse qu'il existe une insuffisance de l'interrogatoire lors de la recherche de symptomatologie et d'antécédents allergiques influent négativement sur la prise en charge des patients lors des examens comme des ventes de l'unité, ce qui confirme précisément notre première hypothèse. La deuxième hypothèse. Et d'après l'analyse des données récoltées à travers l'entretien avec le médecin radiologue du service de radiologie centrale, CHU de Vêtement, sachez de l'Atlant, il implique de ce dernier que les produits de contraste iodés utilisés dans le service sont faibles caractéristiques physiochimiques, ce qui provoque des effets indésirables rencontrés chez le patient. Donc la deuxième hypothèse est vraiment Conclusion.
Le scanner avec injection nécessite une bonne préparation psychologique du patient attaché à l'interrogatoire. On recherche des symptomatologies allergiques ou un facteur de risque lié à l'infection de conductivitis IOD. Le patient doit répondre précisément aux questionnaires posés sur son état de santé ainsi que son traitement maladie chronique et pour prendre en charge toutes les mesures préventives afin de réduire les risques des effets indésirables des conductivitis IOD. L'injection des produits de contraste IOD est favorable pour le diagnostic des pathologies qui ont des caractéristiques physiques ou chimiques complexes, vu leur impact et les effets indésirables sur le patient surtout. Donc nous avons proposé d'améliorer ces caractéristiques moléculaires, physiques ou chimiques pour diminuer le risque, les risques des produits de contraste IOD au niveau de cette vaisseau dans la dimension de CH battement, comme par exemple augmenter l'utilisation des produits de contraste non ioniques, par exemple l'ultraviste. Alors, des suggestions. La diversité des pratiques que l'on observe dans nos services d'imagerie n'ont poussé à proposer quelques suggestions afin d'améliorer les pratiques quotidiennes. Ces suggestions sont le recueil de données de malades avant de l'entrée de la salle d'examen, l'identification des patients très essentielles et indispensables. Une bonne préparation psychologique de patients avant tout examen radiologique permet de gagner la confiance des malades. La préparation permet la réussite de l'examen. L'interrogatoire, c'est la base de tout examen radiologique. Préparer des prémédications selon le cas des patients et sur le contrôle de médecins radiologues. Les patients qui n'ont jamais produit de contraste. Les équipes de manipulateurs radiologiques doivent suivre l'information continue pour améliorer la connaissance des produits de contraste, les caractéristiques physiochimiques et les effets indésirables, tout ce qui concerne les produits de contraste. On a une dernière information spécialisée aux agents de contraste, c'est-à-dire pour mieux contrôler ces produits, leur composition et caractéristiques physiochimiques, les effets indésirables de ces produits. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Côté format et côté